Certaines des scènes que nous allons vous présenter vont sans doute vous choquer. Pourtant elles sont vraies, pourtant elles sont fréquentes. Nous avons aussi dû utiliser des objectifs spéciaux qui altèrent la couleur. C'était pour nous la seule façon de réaliser le plus discrètement possible des séquences qui devaient conserver leur authenticité. Nous avons voulu, par ces séquences, quelquefois dures, exposer un état de fait, la violence. Phénomène hebdomadaire, la violence renaît chaque samedi soir. Parfois, elle fait même la une de vos journaux. Exutoire, désœuvrement, besoin de s'affirmer. À partir de ces documents, nous essaierons de comprendre. On va aller vers un tour au bal, pour voir ce qui se passe. Dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Quand le l'oiseau, sa vie d'impur et d'eau fraîche, l'oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, l'oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau. L'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit, comment peut-on vivre sans lui? On est des Arabes, ils veulent pas nous laisser entrer. Vous croyez ou c'est parce que c'est trop cher? Voilà, c'est trop cher, trop cher, cher, cher. Nous, on n'a pas vide, assez d'argent. Vide. C'est trop cher. Hein. Non, c'est pas qu'on n'avait pas suivi, c'est ça que m'a dit. On est étudiants. C'est pas qu'on avait pas suivi, moi. Si on a, on veut pas donner de l'argent à... Ouais. Les Arabes, lui, qu'est-ce qu'il veut? Les balles, là, qu'est-ce que vous en pensez dans la région? Ah, il y a des balles qui sont bien, bien les balles. Il y a des balles qui sont bien, il y a des balles qui sont pas bien. Il est bien, comme balle, il est bien. Lui, c'est un très grand bagarreur. Oui. Il joue pas tous les jours. Il aime bien les points. Là, dans il aime bien les points. Ça, ouais. C'est sympa. Ah, oui. Il aime bien, t'aimes bien ça. Mais vous avez des distractions quand même. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez? La femme. On a un foyer. On a quand même des foyers ici à Aulnay. 3000. La maison de jeunes. Ouais. Bon, on a c'est sympa. Ouais, c'est sympa. On est bien reçu. Bon, en ce moment, il y en a beaucoup ici. Et les filles, ça va? Ouais, ça va. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Tu ne vis ta vie qu'à moitié. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Je ne conçois pas la vie sans toi. Trop fragile, trop belle pour rester seule.
Votre prénom, c'est Colette. Vous êtes une habituée des balles? Ça vous plaît? Ouais. C'est sympa? Qu'est-ce qui vous plaît dans les balles? Ah, tu colles fort. La merde. C'est vrai? C'est vrai, vous aimez? Ouais. Non, même c'est la merde. Elle aime bien s'amuser. Même ils le savent, on s'amuse. On s'amuse et puis quelqu'un qui nous emmerde, et ben on les cherche. C'est ce qui vous plaît. Mais maman, vous avez quel âge? 23. 23? Et il y a combien de temps que vous allez au bal? Oh, il y a au moins 6 ans ici. Et il vous arrive de vous frapper avec des garçons? Tous les samedis. Bien sûr. Tous les samedis? Merveilleux. Qu'est-ce que vous... Regarde la caméra. Vous travaillez? Mais regarde la femme. Qu'est-ce que vous faites comme travail? C'est nos dactylos. Ça vous arrive d'être amoureuse, oui? Non, moi, ça m'est... Ouais, ça m'arrive d'être amoureuse. Mais jamais menteuse. Oh. Elle est amoureuse d'elle, c'est une menteuse. Et sans ça, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Vous distraire, de quelle façon? M'amuser, danser, flirter, boire. Vous lisez un peu? Non. Oh non, ouais, les cow-boys. Les cow-boys? Ouais. Et vous avez beaucoup de camarades? Ah oui, oh là là! Vous êtes très aimé là. Ah oui, je sais, ouais. Et ça, c'est une bagarre? Oui. Trop fragile, trop belle pour rester seule. Vous allez rentrer quand même là. Ouais, bien sûr. Gratuit aussi. De gré ou de force. Ouais, c'est tout. Laissez-le. Oui, sûr. Allez, dehors. Vous allez le retraiter, ma part, vous allez le retraiter. Allez. Il a un firme. Vous allez le retraiter d'avoir tapé sur un handicap. Vous allez le retraiter. C'est un handicap. C'est un handicapé, mais qu'il a quand même à faire le con, mon petit. Vous allez le retraiter. Je suis venu, j'ai payé dès le début. Allez, dedans. Tu payes dès le début, vous allez le regretter dedans. Frappez sur un handicapé. Dedans. Christian, dedans. Là, on connaît des halas mitraillettes, tous. Dedans. Tous, je me rappellerai de l'équipe de rugby. C'est fini, dedans. Nous rappellerons jusqu'au petit matin pour t'endormir sur notre destin. Hey, nous chanterons des milliers de refrains et je te dirai comment je t'aime. Jusqu'au petit matin pour t'endormir sur notre destin. Allez, c'est qui a fait ça, Jean-Claude? Je laisse tomber, je arrête. C'est qui lui a fait ça? La carnet, laisse tomber, mon chien. Laisse, qui c'est qui lui a fait ça? Faites-moi sortir tous ces gens qui n'ont rien à faire là. Jean-Claude, c'est qui a fait ça? Laissez-moi, mais. What I'm saying don't seem right, but that's the only chance I got now. Oh, tonight, yeah. Follow me, sir. If what I'm saying don't seem right, but that's the only way to show you that I'm a clown. Vos parents, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien. Ils disent rien parce que... Ils gueulent quand même quand tu rentres chez toi. Là. Ouais, il y en a qui tu commences à ouvrir la clé. Bon, pourquoi tu rentres à cette heure-là? Tu vas voir demain, là. Demain, ça recommence. Et vous avez des problèmes, des fois, avec les gardiens de la paix, non? Franchement, j'aime bien emmerder les flics. Hein. Ouais. Ça, je le dis, j'aime bien emmerder les flics. Maurice, bonjour. Combien vous êtes là, bande de cons là? Non, laisse-le. Un seul. Ah, du calme. Bon. La police, je vais te démonter la tête. Vous aimez ça la bagarre? Ouais, un peu, ça dépend. Je voudrais savoir ce que vous pensez des garçons qui se battent dans les balles le samedi soir. J'en pense pas grand chose, hein.
Rien. Je n'y vais jamais. On ne peut pas juger quelqu'un sur un moment de sa vie comme ça. Est-ce que vous aimeriez sortir avec ce genre de garçon? Non, pas du tout. Ça dépend, oui, des fois. Non. Pourquoi? Parce que... Ah non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est sûrement pas... Je sais pas exactement en fait. Je suis d'abord mariée et je suis dans un milieu peut-être intellectuel un peu plus élevé. Est-ce que ce sont des bandes organisées qui systématiquement cherchent la bagarre ou est-ce que ce sont des gens qui, un petit peu pris de boisson, s'énervent? Et je crois qu'il y a un petit peu les deux. Hein. D'une part, ils démarrent la soirée souvent le samedi soir. Ils se retrouvent entre camarades, prennent un verre, deux verres, se sentent bien, quoi, disons, un petit peu en force. De là, le départ de la bande, qui décide d'aller passer une soirée dans un bal quelconque, avec orchestre, par exemple. Dans les bals populaires, l'oublié parisien. La bagarre se déclenche comment? Tous les prétextes sont bons, oui, souvent. Ils abordent un client sur le coin du bar, payez-moi un verre. Ça commence toujours par deux, trois claques. Et puis quand ils commencent à perdre pied, si disons il y a une résistance réelle, à ce moment-là, ils s'en prennent au matériel, quoi. C'est une petite para, c'est un genre de bouclier. Alors, c'est une chaise, c'est une table, c'est une canette de bière. Puis alors, je crois surtout qu'ils ont besoin de beaucoup de bruit, quoi, dans une bagarre. Hein. Il faut qu'il y ait des verres cassés, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que ce soit représentatif, je crois. Dans les balles populaires, les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne. Comment se constitue une bande? Comment est-ce qu'elle se forme? Elle cherche un quartier général d'abord, ou il y a un garçon qui cherche d'autres garçons? Ben, je pense qu'un garçon essaye de trouver un établissement où il est accueilli, parce que souvent ces garçons-là, quoi, sont fait vider des bars où ils avaient l'habitude de se réunir. Alors là, ils prennent pied dans un établissement, souvent un nouvel établissement, un nouveau pôle d'attraction, quoi. Il vient là, prend une habitude, vient avec un autre camarade. Un troisième, un quatrième, c'est donc la constitution à ce moment-là de la petite équipe, quoi, la petite bande. On est là pour boire un coup, on est là pour faire des coups, et pour se revoir un coup, et pas payer nos verres. Tout est disproportionné là-dedans, ça peut aller très loin. Dans un établissement, il y avait eu bagarre générale. Un des responsables porte plainte, évidemment, il y avait eu énormément de dégâts matériels, certains, il y avait eu des... La clientèle avait été amenée à l'hôpital, enfin bref, il y a eu des blessures assez graves, il y a eu des coups de bouteille, etc. Et alors, ce monsieur-là, quelques jours après, reçoit un coup de téléphone, on lui intimait de retirer sa plainte. Et puis, il a refusé, bien sûr, alors on lui a demandé de rappeler chez lui, c'est ce qu'il a fait, et puis famille chez lui et autour de sa maison, il y avait toute une bande qui était là. Alors, on l'a rappelé après qu'il ait appelé lui chez lui. Et là, il a dit que... Il retirait sa plainte. Oui, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, on voulait faire la peau de toute sa famille. Enfin, toute l'équipe était devant chez lui, et puis attendait le feu vert pour mettre à sac aussi. C'est une petite maison, la maison, etc., et les personnes qui étaient à l'intérieur. Et je suis certain qu'il aurait fait, de toute façon. Attention. Je suis bourré. Ouais, clair, un peu d'argent, les gars. Comme ça, mais tu te prends. Comme toi, pour enculer. Pourriture, là.
Vous avez des méthodes pour lutter contre ces bagarres? Oui. Quand c'est un groupe, par exemple, qui arrive? J'ai un groupe de jeunes gens qui sont toujours par là, qui sont à ma disposition si je les veux. Assez bien balancés, qui me permettent d'apaiser le tout. Vous avez même des méthodes astucieuses, vous avez des problèmes avec la musique? J'ai un problème avec la musique, je leur fais. Quand la tension musicale est trop forte et que je vois que c'est trop énervant, moi-même, je mets des slows, des tangos, des valses. Ça change l'ambiance totale. Si jamais vous étiez en difficulté, qu'est-ce que vous avez pour vous défendre? J'ai deux bons nerfs de bœuf, une trique, un morceau de pioche, de manche de pioche bien à mancher, et deux ou trois bombes lacrymogènes dont on se sert. Ça nous arrive. Rentrez-le, bon Dieu! Qu'est-ce que t'es que t'enculé, là? Porte ta caméra, toi, bordel! Porte ta caméra! Porte ta caméra! Messieurs, quel poids, les uns après les autres? 100 kilos. 95. 110. Je suis responsable du service d'ordre, ici, à Longjumeau. Et on fait souvent appel à vous? Très souvent. Pratiquement tous les samedis. Est-ce que c'est indiscret de vous demander la rémunération d'un catcheur par soirée? Environ 200 francs, 250 francs. Et encore... C'est pas cher payé pour les risques. C'est pas cher, c'est vrai. C'est pas cher payé pour les risques. Ça semble une somme, mais si vous perdez une veste ou un pantalon... Personne ne vous rembourse. Personne ne vous rembourse. Si on vous avait un bras cassé, vous pouvez pas travailler pendant un ou deux mois, ben c'est fini. Laisse-moi vivre ma vie. De nos jours, les catcheurs ne sont plus aussi employés, ils font moins de combats qu'autrefois. Certains catcheurs sont libres le samedi, d'autres le dimanche. Et en faisant le service d'ordre dans des balles, ça permet de remplacer avantageusement les combats. Souvent, nous avons 10 voyous contre un seul catcheur. Ils sont même très souvent armés de bouteilles, de couteaux, de tout ce qu'ils peuvent leur passer dans les mains. Et vous arrivez à faire face? On arrive à faire face, mais quelquefois, notre force physique, notre capacité de catcheur ne suffit pas. Ça se termine très mal, des fois? Quelquefois, ça se termine très mal. Nous sommes obligés d'arrêter le bal à minuit, 1h du matin, de faire évacuer tous les clients. Et en ce qui vous concerne, il vous arrive de faire des séjours à l'hôpital? Non, mais j'ai été blessé. En juillet dernier, j'ai été hospitalisé et on m'a mis 3 agrafes à l'arcade sourcilière. Mes camarades aussi, quelquefois, ont reçu des projectiles, mais très souvent des bouteilles frappées par derrière. Laisse-moi vivre ma vie. Je pense que... Et je suis même convaincu que c'est essentiellement dû à la boisson. Lorsqu'ils ont bu plusieurs bières, 20, même quelquefois 30 bières dans la nuit, c'est fini, ils ont tous envie de se battre. Ils sont tous plus forts les uns que les autres. Je pense que l'importance des bagarres va en s'accentuant malgré le service d'ordre. Prévu. Vous pensez que nous allons vers l'annulation de balles, de certains balles? Dans certaines municipalités... Pour ceux qui prennent personne, c'est sûr que ça va faire fermer. Je pense que de nos jours, il est plus possible d'organiser un bal sans service d'ordre. Il y a 2 semaines, à Jeanville-Lardy, il y a eu des centaines de mille francs de casse. On a vu des jeunes gens. Et la caisse emportée. Les voyous se sont emparés du bar, ont distribué les boissons à leurs camarades. Ils ont tout bu ce qu'il y avait gratuitement. Tandis qu'ici à Longjumeau, il y avait énormément de bagarres autrefois. Oui. Actuellement, il y en a quand même énormément moins. Il n'y en a presque plus. Ouais, grâce à votre présence. Un peu, beaucoup. C'est pas la bagarre qui vous cherche. Mais c'est un peu connard.
Yeah.